Et ben salut tout le monde, c'est YesGamer54, on se retrouve pour peut-être la fin de cette aventure sur Evoland, peut-être l'épisode final ou peut-être pas du tout, on va voir. Alors on s'est arrêté la dernière fois avec un sort de boss, du coup on va essayer de le défoncer tout simplement. Alors ça on vous dit pas parce que voilà, on a déjà eu tout à l'heure, bah, dans le précédent épisode plutôt. Et du coup on va enfin affronter Sephiroth, enfin plutôt Zephyros. Les choses, c'est féroce hein, dans Final Fantasy VII, évidemment. Du coup, il y a plusieurs étapes dans ce combat de boss. Il faut péter déjà ses yeux qu'il y a sur le bras, tout simplement. Il faut le défoncer. Ah, par exemple, ça, je me suis fait avoir comme un bleu. Magnifique musique, hein, au fond. Ah. C'était peut-être pas le bon choix de péter tout de suite son bras là. Alors je sais pas si j'arrive à le toucher là. Ah si c'est bon, j'ai touché. Faut que j'arrive à le péter son deuxième bras là. Ouf. Ah par contre ça m'a enlevé ma vie. Ok, ça prend pour esquiver. Allez. Allez, vas-y. Alors peut-être l'épisode va durer pas trop longtemps, bah on verra les amis, mais ne soyez pas surpris, hein. Si ça dure pas longtemps, ça veut dire que c'est vraiment le boss de fin. Hein. Ah, j'ai aussi à péter son deuxième bras. Oh purée, ça par contre faut faire gaffe. Ouah. Oula, c'est quoi ça? Allez vas-y, vas-y. Yes, j'ai réussi à le toucher. Oula. Est-ce que j'ai touché? Oui. Vas-y. Je sais pas si j'ai réussi à le toucher. Ça fait mal par contre. Allez, allez. Ah, j'ai pas eu de temps. Ah, c'est dommage. Voilà, le fait que j'ai mieux compris en fait la première fois, je comprenais pas trop. Et là, vous avez vu, les amis, je comprends vite. Yes, j'ai réussi à toucher. Par contre, j'ai perdu quand même pas mal de vie. Hein. Alors, c'est bon, j'ai réussi à toucher. Vite, bébé, bébé. Yes, j'ai réussi à toucher. En fait, c'est tout simple, en fait. Là. Yes. Allez, vas-y, 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 go, 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 go. Yes! Yes! Les amis, deuxième phase est terminée. Est-ce que ça sent la fin? Est-ce que c'est fini? Oh, c'est sa forme qu'on connaît tous. Tu as détruit mon armure de pierre, mais sous ces formes, tu ne peux plus le matin. Je vais te détruire. Ok. Ouh. Oh. Aïe 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 aïe. Yes, j'ai touché une fois. Oh, il m'a refait entre du bleu. Il m'a relancé du bleu. Oh là là, dommage. Alors, il faut taper le truc bleu parce que rouge ça fait très très mal. Comme vous avez vu. Oh purée, pourquoi il est envoyé là-bas? Allez, vas-y. Ah, en fait, je m'attends pas du rouge. En fait, je vois tout du rouge. Là, par exemple, c'est du rouge. Allez. Ah non, il n'y a pas de toucher, il n'y a pas de toucher. Allez, faut pas louper cette chance. Faut pas louper cette occasion. Oh oui, vas-y. Yes, trois fois. Non, j'ai tapé. Je suis fait avoir comme un bleu. 4 fois. J'ai vu tant de choses incroyables durant tous ces siècles. Tous ces monstres se perdant dans l'oubli, dans les armes, dans la pluie. Il est temps pour moi de rejoindre mon peuple. Ouais. Héros. Débloqué, vous avez vaincu Sephiroth. Ouais, ok.
les amis, j'ai fini Everland premier du nom. Waouh. C'était court. Non, vous on va parler un petit peu ensemble, les amis. Alors, c'est une très belle aventure, vraiment court. Ah oui, en fait, compte, je suis bien été renseigné sur bien. En fait, c'est vraiment le jeu global, au fait, de Everland 1. Premier du nom, il est vraiment très court. Très court, parce que voilà, j'ai arrêté quand même au bout de 20 minutes. Non, même pas 15-20, ouais, 15-16 minutes. Alors, Everland Classic fait en 48 heures pour le OK Combo en jeu. Tu as The Monde Kevin, OK, c'est mon perso. Soin avec décision. OK, on revoit tous les trucs qu'on. À côté, mauvais coup. OK, c'est Firoz. En gros, en fait, ça reprend un peu le Final Fantasy VII. Mais en rapide, quoi, en gros. Parce que tous les noms qu'ils ont eu dans le jeu, en fait, comme la ville. Regardez, c'est inspiré, là. Legend of Zelda, Final Fantasy, Dragon Quest et Diablo. Voilà, j'avais raison, Diablo. J'avais raison, les amis, Diablo, ça ressemble à Diablo et c'est... Vous avez fini à 80... Alors, vous avez fini 80% du jeu. Ok. Et c'est un jeu qui a été en 2013, les amis, hein, par Syros Game. Alors, par contre, les amis, je vous dis tout de suite, vous avez gagné. Appuyez sur... Ok, vas-y, on retourne dans le menu du jeu. Voilà, du coup les amis, je vous dis tout de suite, ce n'est pas fini. Everland, il y aura évidemment Everland 2 qu'on fera dans la prochaine, ça sera le prochain let's play les amis. Alors par contre, je vous dis tout de suite, Everland 2 c'est plus long. Voilà, c'est plus long. En tout cas, moi ce que je peux vous dire, je suis très heureux d'avoir pris ce jeu. Il était en promotion hein, quand je l'ai pris, il était encore à 9,99€. Du coup j'ai sauté sur l'occasion parce que sinon normalement ça coûte 19,99€ et 19,99€ ça vaut vraiment le coup pour un jeu comme ça. Pour même pour 20€ j'aurais pris parce que ça retrace tout l'équipe de jeu qu'il y a eu. En fait ça, on voit vraiment l'évolution en fait. Evoland en fait ça veut dire l'évolution pour moi je trouve. C'est à dire que tu commences par la première... Je pense qu'on commence par la première Game Boy, ça veut dire les premiers jeux en noir et blanc. Après, plus tu avances dans le scénario, plus tu vas prendre du son, plus ça va dans les couleurs, les types de combats, etc., etc. Et là, vous avez bien raison, en fait, vous savez, contre le boss qu'on a galéré à la fin, en fait, pas à la fin, mais avant le boss final, on avait affronté un sort de boss dans un sort de donjon pour chercher la deuxième allumette. Et ben pour moi, en fait, j'avais bien raison, ça ressemble vraiment à Diablo. Et c'est ouf. Franchement, j'ai bien kiffé. Legend of Zelda plutôt. Oula, c'est la fatigue. Legend of Zelda, en fait, on a vraiment remarqué. Pour moi, j'ai vraiment remarqué, en fait, c'est tous les... Chercher les coffres et puis tout ça. Après, ils avaient marqué quoi aussi? Ils avaient Final Fantasy. Le type de combat qu'on a vu, coup par coup. Et puis, nous, des persos, etc. Puis, voilà, Diablo. Et puis, c'est tout. Je crois que ouais, c'est marqué ça. Du coup, les amis, pour Everland 1, c'est vrai, ça a été vraiment très très court. Mais je suis content d'avoir fini avec vous, les amis. J'espère que ça vous a plu. Du coup, je pense à durer quoi 5-6 minutes, pas plus. Et du premier coup, j'ai battu quand même le boss. Et tout à l'heure, voilà, je pense que j'ai été un peu fatigué ou j'avais un petit peu faim, je pense. Et puis du coup, voilà. Alors je vais vous terminer. Alors je vous dis, j'ai fini quand même le jeu Everland. On a fini le 3 novembre. du coup, les amis, je sais pas du tout si je vous mettrai tout le let's play Everland et après on enchaînera sur le deuxième let's play. Ou soit vous verrez les trois premiers et après vous, je sais pas, je vais voir. En tout cas les amis, alors que je tourne la vidéo, je sais pas dans quel ordre je vais vous mettre les épisodes. Si vous verrez tous les épisodes de Everland avant le deuxième let's play, parce que le deuxième let's play est déjà tourné, hein, je vous dis tout de suite. Et je sais pas du tout comment je vais arranger ça, mais en tout cas sachez un truc les amis, c'est que je vous réserve beaucoup d'autres jeux. Du coup
Du coup, bah, la semaine là, je pense que la semaine prochaine, ça veut dire le samedi, alors que je tourne la vidéo, évidemment. Attendez, je vais juste regarder mon calendrier sur le téléphone. Ça veut dire samedi. Samedi 9 novembre, je vais peut-être commencer Evoland 2, à faire des vidéos sur Evoland 2, et ainsi de suite. Et comme ça, vous savez à peu près. C'est pour ça que je vous dirai les dates, à peu près quand je tourne les vidéos. Bah, de temps en temps, je dirai ça. Pas tout le temps non plus, mais de temps en temps, je vous dirai à peu près les dates que je tourne les vidéos. Comme ça, quand vous la verrez, vous. Voilà, quand vous la verrez, quand, simplement la vidéo, comme ça on verra à peu près quand vous la verrez, et puis tout ça pour voir si c'est au début du mois, si c'est 2-3 mois avance, voilà, etc. etc. Et du coup, je vais prendre beaucoup d'avance comme ça j'aurai beaucoup de vidéos, parce que si au cas où je suis malade ou j'ai des empêchements ou soit j'ai des événements à faire, etc. etc., bon, moi comme ça j'aurai plein Scott en voilà, j'aurai plein de vidéos de côté, comme ça bah, je pourrai vous les mettre et puis tout ça. Du coup, voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Je vais vous laisser ici parce que j'ai tout dit sur le jeu, à part qu'il est court, mais il est bien. Mais vous inquiétez pas, les amis, Evoland 2 c'est un peu plus long, tu as plus de choses à faire. Mais voilà, en tout cas, je vous fais des gros bisous, les amis. N'hésitez pas à bombarder de pouces bleus, à partager, à vous abonner si c'est pas encore fait. Je vous souhaite une agréable journée ou une bonne nuit, ça dépend quand vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine, les amis. Allez, salut tout le monde, bye bye.